Première application de ce rappel, les problèmes vus en quatrième, combien mesure 30 km sur une carte au 1 50 millième? Dans les problèmes de carte et d'échelle, il faut se rappeler cette petite histoire, c'est que la réalité, ce qui nous entoure, quand on le multiplie par l'échelle, ça me donne le plan. Il faut bien comprendre que le plan est une réduction de la réalité, et donc l'échelle de réduction, ce sera l'échelle du plan. Du coup, si je remplace mes informations dans ce petit schéma, on me dit que la réalité c'est 30 km, on me donne l'échelle et je cherche moi la dimension correspondante sur le plan. Et bien avec ce petit schéma très simple, on va très facilement arriver à déterminer. Donc si on appelle x la distance sur le plan, et bien on a alors, d'après le petit schéma précédent, x est égal à 30 fois 1 50 millième. En opérant le calcul, on obtient 0,0006. Comme la distance que j'ai rentrée ici, 30, était des kilomètres, la quantité que j'ai obtenue est bien des kilomètres. Donc on peut dire que la distance sur le plan est de 0,0006 km. En convertissant en mètres, on a 0,6 mètres, soit 60 cm. On peut donc conclure que sur cette carte, 30 km correspondent à 60 cm.